c'est un échange. Je sais pas. On doit s'en petit peu geler, on va y arriver. Oui. Voilà. Merci. Eh bien, aujourd'hui, tout le monde ici se retrouve à l'angle de la 117 et du Walmart à Sainte-Agathe afin de ramasser des sous pour la Guignolée des médias, la grande Guignolée des médias. Et c'est trois organismes qui sont touchés cette année sur notre territoire par cette grande Guignolée-là. On parle de Centraide Haute-Laurentide. Ça touche vraiment la Belle à Valmorand suivant la 117. On a également Bouffe Laurentienne qui s'occupe aussi de la MRC des Laurentides et Moisson Laurentide qui est un organisme qui vient en aide aux banques alimentaires en les fournissant en denrées. Et ça, c'est vraiment de Bois des Filions à Sainte-Anne-du-Lac, donc toutes les grandes Laurentides. Merci beaucoup, madame. Bon temps des fêtes. Jusqu'à maintenant, les gens sont généreux, là, quand même, vraiment beaucoup. Moi, ça fait une bonne dizaine d'années là, que je suis bénévole à chaque année. C'est gratifiant de faire ça vraiment, là, parce qu'on sait que c'est pour une bonne cause, c'est pour aider les gens qui en ont besoin dans le temps des fêtes. Alors c'est vraiment quelque chose que j'aime faire à chaque année. C'est super agréable, je pense que les gens sont super motivés, la température est bonne, ça nous aide un peu. Puis les gens donnent énormément, c'est vraiment là les gens arrêtent, c'est pas grave si la lumière est verte, on arrête au milieu de la rue, ils veulent donner des sous, puis on apprécie beaucoup, beaucoup. Dans le fond, ça va être donné aux gens qui en ont besoin dans la région, fait que je pense que les gens ont ça à cœur, puis ça nous fait vraiment plaisir, puis on peut participer à ça, fait que on fait notre part nous aussi. J'ai eu des 20 $, des 10 $, des 5 $, beaucoup de charges, mais on prend tout ce qu'il y a. Merci beaucoup. Bonne journée, bonne journée à toi. Oui, c'est très important parce qu'en fait, comme journal local, on se veut un levier pour notre communauté. Donc, c'est une des actions qu'on peut prendre, un petit coup de pouce pour aider les gens d'ici. En fait, moi, il y a un monsieur tout à l'heure, on a des cannes hein, quand on ramasse l'argent comme des grosses boîtes de conserve, puis il m'a sorti un immense Ziploc plein de monnaie. Il y avait de l'argent là-dedans, là, à coût de 25 sous, mais on s'entend que ça ne rentre pas dans ma canne. Là. Donc, il me l'a confié, puis moi, je l'ai transvidé par après. Mais ça, c'est une première. J'ai vu bien des affaires, mais un Ziploc plein de change, c'est la première fois. C'est important parce que, justement, ramasser des sous pour permettre aux jeunes puis à ceux qui en ont besoin de se nourrir. À tous les ans, on participe, puis dans tout Sainte-Agathe, en fait, il y a beaucoup de bénévoles. Puis, c'est quelque chose auquel que je tiens. Puis ça fait déjà plusieurs années que j'aide, puis que je participe comme bénévole. C'est bon ce que vous faites. Bien, merci. Super. Chaud. On le sait qu'il y a des besoins très importants. Dans la MRC des Laurentides, là, on a 2000 personnes qui ne mangent pas à leur faim. 2000! C'est énorme, là. On parle de quelque chose comme 4% de la population. Fait que c'est notre manière, une fois par année, de venir ramasser des sous ici à une intersection importante à Sainte-Agathe. Comme Média, l'Info du Nord, on est un journal hebdomadaire local. On est avec Nous TV, du côté de Mont-Tremblant. Je sais qu'il y a aussi des collectes avec CMFM. Donc, tous les médias ici, on met la main à la pâte, puis on fait notre part pour essayer de venir en aide à ces gens-là qui consomment aussi notre information. Hein. Faut pas l'oublier. C'est une manière de redonner à la communauté. Donc, la Guignolée. J'étais là le matin, mais j'en redonne d'autres. Ben oui, si on est tout, ça fait bien. Ça, vous connaissez ça? Oui, c'est bon. Merci. Bonjour.